Hosanna, ô fils de David. 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 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, roi d'Israël. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, depuis le début du carême, nous avons préparé nos cœurs par la pénitence et la pratique de la charité. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal de notre Seigneur, celui de sa passion et de sa résurrection. A vu d'accomplir ce mystère pascal, il a fait son entrée dans sa ville de Jérusalem. Mettons toute notre foi et tout notre amour à rappeler maintenant les souvenirs de cette entrée de Jésus, notre Sauveur, et suivons-le, afin qu'associés par sa grâce à la croix, nous ayons part à la résurrection et à la vie. Veuillez se lever de la parole. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ses rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse de Christ roi, nous puissions parvenir parmi jusqu'à la Jérusalem éternelle, qui divise et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons passer pour l'aspersion des rameaux. C'est les rameaux que nous aspergeons. Aspergeons donc que ce n'est pas la peine de demander l'eau sur vous. Dans le bien de l'amour. Thank you.
Hosanna, Hosanna,
Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant, allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-le et amenez-le à moi. Et si l'homme vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dit à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi. Venez douceur, montez sur une ânesse et un petit âne. Le petit d'une bête de sœur. Les disciples partirent et fit ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenaient l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux le manteau, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent le manteau sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et enjochèrent la route. La foule qui marchait devant Jésus et celle qui suivait criait, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait, qui est cet homme? Et la foule répondait, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Veuillez m'aider. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez s'asseoir. Bien, chers frères et sœurs, nous voici parvenus au dimanche des rameaux, où le Christ entre de manière triomphale à Jérusalem. Et nous aussi, nous sommes invités à aller à sa suite, à l'accompagner sur ce chemin qui mène vers Jérusalem, où il nous invite à pousser des cris de joie, à l'accompagner de nos ovations, de nos cris, mais aussi de notre foi. Foi en sa personne, foi en sa parole, foi en sa puissance. Mes frères et mes sœurs, au travers de ces célébrations, nous allons entrer dans cette semaine qui est sainte. Cette semaine qui nous invite à jeter un regard déjà sur la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Disposons nos cœurs à vivre intensément cette semaine sainte. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, imitons les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Jésus et avançons dans la paix. Veuillez vous mettre debout pour l'entrée du monde. Oh,
serviteurs, tous ceux qui ont des téléphones portables et les rangers. Nous ne sommes pas dans une salle de spectacle où nous allons à tout moment faire des prises de vue. Nous sommes dans une église respectable et respectée. Voilà. Veuillez ranger vos portables. La joie, elle se vit, elle ne se prend pas. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner aux gens humains un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous, dans ta bonté, d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que dit le Seigneur face aux souffrances de son serviteur? Écoutons. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'un disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas arraché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh,
Pourquoi Dieu a-t-il élevé Jésus-Christ au-dessus de tout? Écoutons Saint Paul nous le dire. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. De notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la pâque? Il leur dit: allez à la ville chez un tel et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristé, ils se mirent à lui demander chacun son tour: serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit: celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet.
Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il faudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond. C'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais, une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit, si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit, Amen, non, je te le dis. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Pierre lui dit, même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai jamais. Et tous les disciples dirent de même. Alors, Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, asseyez-vous ici. Pendant que je vais là-bas pour prier. Il amena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, mon âme est prise à emporter. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est attendu. Mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria pour la deuxième fois. Il disait, mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit, désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle approche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il approche, celui qui me livre.
Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit : Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit : Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit : Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Quoique que je ne puisse pas faire appel à mon Père, il mettra aussi à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? À ce moment-là, Jésus dit aux foules : Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'arrêtèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchèrent un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta deux qui déclarèrent : Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et, en 3 jours, le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit : Tu ne réponds rien, que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit : Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond : C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venu sur les lieux du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant : Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ? Ils répondirent : Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant : Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit : Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tout le monde et dit : Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là : Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment : Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre : Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors, il se mit à protester violemment et à jurer : Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta.
Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent, il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. L'on fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara. C'est toi-même qui le dis. Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusèrent, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répond plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Il s'avère qu'en effet que c'était à jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme fit lui dire, ne te mets pas de la paix de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur répondit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous, qu'il soit crucifié. Pilate demanda, quel mal a-t-il donc fait? Ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava la main devant la foule en disant, je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit, son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils pressèrent une couronne
et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappèrent à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et ils restèrent là, assis à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injurièrent en hochant la tête, ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. » Qu'ils descendent maintenant de la croix et le croiront en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte. Eli, Eli, lema sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, le voilà qui appelle le prophète Eli. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Nous mettons tout ça, Jésus. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux.
depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent: vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observèrent de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Mais parmi elles se trouvaient Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant: Seigneur, nous sommes rappelés de cet imposteur qui a dit que son vivant. Trois jours après, j'ai ressuscité. Alors, dans l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple: il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara: vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant l'arcade. Quel amour à l'écoute de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet amour qui se dégage de ce test. Le Christ, comme le dit saint Paul, qui avait la condition de Dieu, s'est anéanti. Lui qui est Dieu, pour prendre notre condition humaine, il est devenu semblable à nous. Il a connu la paix, la souffrance. Lui qui était Dieu, il s'est abaissé. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent.
sur terre, au ciel et même aux enfers. Que tous reconnaissent que c'est lui le Christ, le point de Dieu, le sauveur du monde, lui qui a donné sa vie par amour pour nous. Quel amour! Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est parce que le Christ nous aime qu'il a accepté. Il a pris résolument ce chemin qui mène vers Jérusalem, ce chemin qui mène à la croix pour nous donner le salut, pour nous donner la vie. Frères et sœurs, nous étions entrés en ce temps de carême avec le Christ qui nous invitait à aller avec lui au désert. Il nous a montré comment déjouer les pièges du tentateur, les pièges de l'adversaire, les pièges de Satan, en nous appuyant sur les Écritures saintes, sur la parole de Dieu. Il nous invitait ensuite à aller avec lui sur cette montagne pour qu'il nous manifesta sa gloire. Sa gloire future de ressuscité, parlant de la transfiguration. Ensuite, il s'est révélé à la Samaritaine comme celui qui est la source de l'eau vive qui ne terminera jamais. Celui qui nous indique le vrai Dieu et la vraie adoration. Chemin faisant, il nous démontre sa puissance et se révèle à nous comme la lumière du monde en ouvrant les yeux de l'aveugle né. Celui qui était plongé dans les ténèbres reçoit Jésus-Christ, la lumière du monde. Il voit désormais et il contemple cette lumière. Cette lumière Jésus-Christ que nous-mêmes nous avons reçue aussi. Le jour de notre baptême, nous recevons cette lumière et nous devons marcher en enfant de lumière jusqu'à ce que nous rencontrons le Christ. Vous vous souvenez de votre baptême, vous vous souvenez du siège corporel. Nous passons nos temps à danser, mais voici ce que cela signifie. Mes frères et mes sœurs, le Christ qui est lumière montre ensuite et enfin sa puissance et sa victoire sur la mort en appelant Lazare de son tombeau, en ramenant Lazare à la vie. Lazare vient dehors. Le Christ est victorieux de la mort. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Il a appelé Lazare. Aujourd'hui, il a besoin de nous. Il a besoin de nous, comme le dit dans le premier évangile lu. Si quelqu'un vous demande quelque chose, dites que le Christ, le Seigneur, le Maître en a besoin. Le Maître, le Seigneur a besoin de nous aujourd'hui pour l'accompagner à entrer à Jérusalem. Il a besoin de nous pour aller jusqu'au bout de ce chemin. Il a besoin de nous et avec nous, il veut entrer dans sa passion, dans sa mort et dans sa résurrection. Le Seigneur a besoin de chacun, de tous, de chacun d'entre nous ici présents. Il a besoin de nous aujourd'hui. Et jadis, en son temps, ceux qui étaient présents, nos passionnaires. Ceux qui étaient présents élevaient la voix pour crier Hosanna au Fils de Dieu. Ils étendaient leurs manteaux. Ils avaient des branches à la main. Ils ont fait à leur manière ce qu'ils pouvaient faire pour accompagner notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, en ce matin, nous sommes venus si nombreux et nombreux avec les palmes à la main
nous associer à notre Seigneur Jésus-Christ, entrer avec lui à Jérusalem, entrer avec lui dans sa passion, entrer avec lui dans sa mort et ressusciter avec lui. Alors, que chacun se laisse son amour. Et comme on fait de pouvoir de peuple qui accompagnait Jésus, nous allons aussi, nous aussi, prier et faire, refaire et revivre cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Certes, nous avons pris des résolutions, nous avons pris des engagements, peut-être nous n'avons pas eu cette force de la tenir, mais en cette semaine sainte, engageons-nous véritablement. Pas à prendre encore des résolutions, mais à vivre pleinement ce temps, cette intimité avec Jésus-Christ. Quittons nos ténèbres et marchons avec Jésus-Christ. Quittons nos mensonges et marchons avec Jésus-Christ. C'est la vérité là. Quittons la corruption. Et marchons avec Jésus-Christ. Faisons de Jésus-Christ notre ami. Faisons de Jésus-Christ notre ami. Alors le Seigneur
nous ouvrira une porte. Si je fais de Jésus-Christ mon ami, et si je confesse qu'il est mon Seigneur, si je fais de Jésus-Christ mon ami, et si je confesse qu'il est mon Seigneur, je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Cela est bien. Si je fais de Jésus-Christ mon ami, et si je confesse qu'il est mon Seigneur, si je fais de Jésus-Christ mon ami, et si je confesse qu'il est mon Seigneur, je sais que mon Dieu va m'ouvrir. Le Seigneur ouvre toutes les portes. Aucune porte n'est fermée pour le Seigneur. Aucune porte. Aucune porte. Même la porte de ton cœur que tu fermes, cette porte est visible aux yeux de notre Seigneur. Faites de Jésus-Christ votre ami dans cette semaine sainte. Et vous verrez, vos portes s'ouvriront. Et la bénédiction du Seigneur sera répandu sur moi. Frères et sœurs, nous portons notre croix. En Dieu, tu es Père, tu es puissant. Je crois en Dieu. Tu es tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour leur salut, il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait comme, crucifié pour nos souffrances Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la gloire du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais ce baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du ministère du Seigneur. Oh,
afin que, soutenue par l'Esprit Saint, elle ne se dérobe point de sa mission malgré les difficultés rencontrées. Prions pour nos autorités, afin que, soutenues par la force de l'Esprit Saint, elles dirigent leurs concitoyens avec sagesse. Persécutés du monde entier à cause de leur foi en Jésus-Christ, afin que le Saint-Esprit les fortifie. Communauté, afin que chacun de ses membres accueille véritablement Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille la prière de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient par le Christ, notre Seigneur. Amen. Yeah.
Thank you.
sœurs, que mon sacrificateur de Sidney Bosso s'agréable à Dieu le Père au Puissant. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, de ta part à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, que tu vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que tu l'évends au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui t'as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Ainsi, mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons ton dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, l'action de grâce à ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et fais y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Élisabeth et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Jean-Salomon Lesoutier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté les prières de ta famille, les prières de tous ceux et celles qui ont demandé cette messe en action de grâce, nos parents, amis, connaissance, bienfaiteur, bienfaitrice, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi paîtreusement tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de feu, ceux et celles qui nous ont été confiés en cette messe, nos parents, nos amis, nos connaissances, les bienfaiteurs et bienfaitrices de cette paroisse, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
frères et sœurs, comme la voix du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de Thomas, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous t'attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans lui, toujours cette paix, et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oh,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités par des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de ce Dieu. Frères et sœurs, nous sommes venus si nombreux et nombreux. Nous sommes venus par encore et au nom du Christ. Priez, restez à votre place et gardez votre état. Ne venez pas empirer votre état en communion de manière prodigieuse. Vous serez coupable de cet acte. Aussi, il faudrait communier devant les ministres extraordinaires ou devant les pères et les séminaristes. Souvent, la famille, on va les prier sur la communion. La prière de faire venir à la communion et sur la communion. Donc, communiez devant nous avant d'aller à vos places, s'il vous plaît. Si le cachelet vous gêne à l'aimer, vous voyez que maintenant le Père est déjà dessus. Mais communiez devant mon Père, sauf que je dois partir quelque part avec la chose. Dans cette communion, il y a l'église. La prière va vite ajouter. Cette personne n'est pas prête. Mais si elle est prête, c'est déjà consacré. Voilà, donc, mes services, donc, soyez vigilants. On ne sait pas qui est parmi nous. Donc, pour le bon communier, défendons avant de partir. Thank you.
Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous assurons. Nous appelons au pardon du Seigneur à l'occasion de l'anniversaire de naissance, Gabo Yves Constant, Obou Amena Sandrine, Conan Serge Alain. En action de grâce avec les donateurs, Bécoin François, Assier Florence, Ouattara Kadi Yessan, Sibaori Piska, Sokori Virginie, Kwame Sylvie, Soro Victor, Capran René. Père Tout-Puissant, toi qui décèdes de vous dire que tous les diables
Nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour Yves Constant, Sandrine, Serge Alain, à l'occasion de l'anniversaire de naissance. Et parce que Seigneur, tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre des ailes, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu donne la miséricorde est sans mesure et la bonté inépuisable. Nous te rendons grâce pour François, Florence, Cathy, Prisca, Virginie, Sylvie, Victor, René. Pour les dons que tu leur as fait, tu nous appelles. Et nous appelons à toi, Maître souverain, à ta bienveillance. Toi qui exauces nos prières, ne nous abandonne pas. Mais ouvre nos cœurs au bien du monde à venir, par le Christ notre Seigneur. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Révérend Père curé, révérend Père résident, frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Bonjour. Et bonne fête de bravo à chacun de vous. Merci. La chorale a chanté de très beaux chants. Malheureusement, quand les gens se lèvent pour chanter ou danser, c'est qu'on a crié bravo. C'est dommage, non? Ce serait merveilleux de voir tout ce que j'ai l'impression que les chrétiens catholiques disaient qu'ils avaient été dehors, parce que dehors, mais ça bougeait énormément. Je voyais des gens danser ici. Mais dans l'église, voilà la place. La plus belle, vous voyez, le peuple dedans, s'il vous plaît. Regarde Dieu, vous êtes là. Alors, je souhaite qu'on danse. Mais on va danser cette fois avec quelque chose de particulier. Normalement, aujourd'hui, nous avons. Donc, merveilleuse quête, qui est la quête à vous, d'accord? Et je pense que quand on lit les Écritures saintes, la seule chose pour laquelle Dieu nous demande de mettre à l'épreuve, c'est ce qui concerne l'argent. Amen? Donc, quand des personnes, par exemple, disent Seigneur, tu habites dans ta maison, tu ne parles pas de femme, c'est rien, mais moi, je te demande à l'épreuve, Seigneur, je donne-moi un enfant, tu as péché. Amen? Donc, la première des choses, Seigneur, je vois ta gloire. Je t'honore pour ce qui concerne la dîme et l'offrande. Et Seigneur, je crois que parce que je fais ces deux choses-là, ta gloire se manifeste. Dieu est obligé de se manifester. Alors, comme il est question de dîme et, donc il y a une addition, et l'offrande, donc je demanderai déjà au ministre de la collecte de se mettre en position. De soi parce que la quête travaux, mais il est question de quête travaux. Donc quelque chose qui va nous permettre normalement d'avancer dans tout ce qui est élan de construction en ce moment. Et bien aimé, je sais compter sur votre élan de générosité parce que je crois que à Sainte-Élisabeth, il y a tellement de personnes qui savent faire de belles et bonnes choses. Donc, aujourd'hui, c'est pas vous qui mettez Dieu à l'épreuve, c'est moi qui vous mets à l'épreuve. 10 000 francs, au moins. Donnez-moi 50 000, parlez-moi mal, je vais avoir mal, mais je vais accepter. Donnez-moi 99 000, c'est extraordinaire. 10 000 francs au moins. 10 000 francs au moins. Alors laissez les paniers, venez les paniers. Hein? Laissez les paniers. Le pays qui a plus confiance en vous que moi. Oui, dedans aussi, venez les paniers. Voilà. D'accord, là, il y a les paniers. Vous voyez, vous pouvez voir où sortir les paniers. S'il n'y a pas de pain, il y a des personnes qui viennent à un morceau de pain, prenez un morceau, vous allez voir.
Hier, à la messe du soir, les paroissiens n'étaient pas nombreux, mais ils étaient très efficaces. Donc, une fois que ce matin, on était également là. Gloire à Dieu, nous richons, digne de la fête de Bramo, de soi que nous sommes bénis, nous aussi à rentrer de manière triomphale. De sorte à ce qu'on puisse joindre, collecter toutes ces choses-là, de sorte à ce que ça fasse 10 000 au moins par pied. Si ça fait 10 000, 100 francs, on va compléter pour que ça fasse 10 000, 10 000, 10 000. Amen. Alors, je vous invite, voilà. Allons-y, on pousse un peu. Mettez les sons de la roue là. Oh,
interpeller les personnes. Vous voyez, bien aimé, on peut ne pas donner. Mais quand on est dans la gloire de Dieu, on ne se plaint pas parce qu'on donne. Amen. Parce que ça nous ferme des portes. Vous savez, au village, par exemple, celui qui met beaucoup d'huile rouge sur le fétiche-là a plus de bénédictions que celui qui n'en met pas. C'est faux? C'est la réalité. Nous sommes nous de notre sacré. Si vous ne le donnez pas, ne vous plaignez pas. Parce que ça vous ferme des portes de bénédiction. Soit vous donnez, vous dansez, et puis on loue Dieu pour que Dieu nous bénisse. Mais si vous ne voulez pas donner, vous restez assis, ne parlez pas. Parce que nous, on prend ça comme notre sacré. Amen. Amen. Alors, j'interpelle la personne qui murmure dans le cœur. Venez donner pour vous un peu. La parole, c'est nous tous, on est là, et puis la parole, nous tous. Venez pour manifester, on manifeste la gloire de Dieu ensemble. Ne pas dans les murmurer sans se fermer les portes. Dans le Coran, on ne sait jamais. Peut-être que la personne change d'avis. Donnez-moi un chant. Partout, en ce moment où on passe, on entend parler seulement que de la fête de charité. C'est l'occasion d'inviter toutes les personnes qui restent en marge. Voyez, si jamais vous ne partez pas en CV, commencez déjà à vous renseigner. Ne partez pas en CV si vous voulez. Mais venez donner moi votre participation pour qu'on fasse de nouveaux pas. Venez donner la participation pour que la paroisse nouvelle s'élève. Dans quelques années, on fera le point. Ça serait dommage de savoir que dans 15-20 ans, Pépé sont en train de dire à ses petits-enfants, la parole, ça pouvait faire ça, les gens, ils ont fait cotiser les paroissiens, mais nous, on était dans l'église, on a enseigné, on regardait. Donc, je vous invite, ne restez pas en marge. Il faut vous mobiliser, il faut rentrer en contact avec les différents présidents de ce lever, il faut rencontrer les présidents, les responsables de groupes de prière, d'associations, toutes les personnes qui, normalement, peuvent vous permettre de pouvoir participer à cette fête de charité. Ça sera un moment inoubliable, extraordinaire. On sait que ça sera tellement beau qu'on a prévu faire les choses de manière éclatée. Donc, on aura trois dimanches de célébration pour la fête de charité. Bien aimé, je vous invite
à vous mobiliser et à glorifier Dieu. Cette fête de charité est dénommée Atou. Alors le concept derrière, c'est Atou. Atou. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on reste ensemble. Il faut s'aimer, vous voyez. Pour pouvoir faire les choses de Dieu, les grandes choses, il faut rester un et avoir la même vision. Je prie que le Seigneur vous bénisse en ce jour de rameau et que la grâce de Dieu qui vous fait rentrer dans sa gloire ne cesse de vous remplir au nom de Jésus-Christ. Amen. Un jour à la fête de Noël la nuit, c'est ce que mon mari n'aime pas là, quand le père se lève. Ça me sert. Ça me vous plaindre parce que vous n'avez pas. Mais si tu as ça, que tu ne donnes pas, c'est là le péché. Ça fait 13, il y a 7 personnes. Je sais que là, il faut 27. Bien, ici. Il y a 6 personnes. Mais il faut te lever, je sens, tu veux, c'est toi, il faut te lever bien. Avant, tu as parlé, maintenant aussi, tu as honte, bien. Il reste combien de personnes là? 6. Il reste.
espoir maintenant.